Après l'apparition du premier cas d'Ebola au Mali, la Mauritanie prend ses précautions. Le dispositif de sécurité au niveau des frontières entre les deux pays a été renforcé. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement mauritanien. Pour le moment, aucun cas de la fièvre hémorragique n'est à signaler dans le pays, mais les autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de contagion. Des équipes médicales et administratives ont été dépêchées sur les frontières sud avec le Mali. Une forte campagne de sensibilisation des populations est en cours et rien ne sera laissé au hasard. Tout le monde doit s'armer de vigilance extrême face au danger. La Mauritanie et le Mali partagent 2200 km de frontières. La vigilance est donc de mise chez les autorités sanitaires du pays. Mais la lutte contre le virus Ebola ne s'arrête pas au niveau des autorités. Une campagne de sensibilisation a été lancée à l'adresse de la population sur les mesures d'hygiène à observer afin d'éviter toute contagion par le virus. La société civile s'active également sur le terrain. C'est le cas ici à Riyad, un quartier en périphérie de Nouakchott, où l'organisation non gouvernementale Rachad est impliquée dans la lutte contre la maladie. Au départ, les populations, surtout celles des milieux ruraux, étaient réticentes à notre message. Beaucoup confondent la fièvre hémorragique au virus du sida. Mais avec les séances de sensibilisation, les gens prennent conscience du risque que représente Ebola et des mesures à prendre afin de l'éviter. C'est en s'informant sur les symptômes et les mesures préventives de la maladie que les populations pourront aider les autorités sanitaires à combattre le fléau. Après le Libéria, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, le Mali est le sixième pays d'Afrique de l'Ouest touché par l'épidémie de la fièvre hémorragique. En Mauritanie, un large dispositif de sécurité est mis en place de façon progressive pour éviter tout risque de contagion par le virus Ebola.